Bonjour, bienvenue à cette démonstration des pics de guitare. On utilise une guitare à 6 cordes aujourd'hui. Le premier modèle, le Jim Dunlop 1 mm noir. Il est popé. Le deuxième modèle, c'est le Clayton, vient des États-Unis, il est jaune. Il sonne un peu plus, hein? Le prochain modèle, c'est le Ushmid, fait à la main par Patrick, forgé avec ses dents. On voit qu'il sonne plus doux. Le prochain pic, c'est le 2$ canadien. Il brille dans le milieu. Il sonne mieux que la scène noire. Le prochain pic, c'est le cure-oreille avec des petites mouffes de poêle dans les deux bouts. Les gens s'en servent aussi pour les activités sexuelles. Il a envie de twister ses deux bouts. Ouais, c'est juste bon pour les matantes, ça. Le prochain pic, c'est une coquille d'œuf. La poule l'a faite à matin, puis je l'ai mangé, puis il était bon. Oups. Ça fait des petites miettes partout. Un petit pic. Le prochain, c'est la tranche de cocombe. Ça vient du jardin à ma grand-mère. Ça me fait des motons un peu partout, ça. C'est un peu dégueulasse. Mange la dent, attends, ce coco. Tu vois qu'elle est bonne. Elle est meilleure dans la bouche que ça agite. Elle fait des petits bouts un peu partout. Prochain pic, carotte du Québec. Elle floche direct de compagnie de même. Pas custom. On essaye. Elle est molle. Mais elle sonne. C'est bien pour dire pareil, mais la carotte est meilleure dans la bouche que sur les cordes de la guitare acoustique. Prochain pic, c'est la vieille pleure de banane. Je l'ai trouvée un matin sur le portefeuille, puis je l'ai dit, c'est comme un pic, ça. Et ta boîte. Wow, wow. Hey, tu vas l'achever ta gratouille. Hey, fais pas ça. Hey, y'a de la bébite. Hey, Colin, c'est dégueulasse. Prochain pic, c'est le laser pour Timinou le plus puissant au monde. C'est important de faire attention, pas y spotter dans les yeux. Il va loin, on va l'essayer en Alaska. Le plus dur, c'est de spotter derrière ses cornes. Ça ferait en crise. Oh, il a le poignet. Le prochain pic, il garoche fort. C'est le disque de Grand Theft Auto 5. Il est fait d'un plastique cheapette, mais il fait la job. Il gratigne l'épaule. Ça sonne mal, ça. Va pas bien. Hé, Chris, pensais pas ça pétait de même, ça? Le dernier pic, c'est un petit vent du sud, un petit vent chaud. On appelle aussi le pic rectal. On se prépare. Ça fait vibrer les cordes tout en même temps. Pour résumer cette vidéo instructive, c'est le Ushmid qui demeure mon préféré. En deuxième position, entre mon pouce et mon index de ma main droite, c'est le John Dunlop 1 mm. Donc, deux vraiment bons pics. C'est à ce moment-là que je vous dirai, là, bye.